femme, sans sonnette militaire et comique, chantée par Paulin. Dimanche, tantôt, rue Coronel, me rencontrant sur le trottoir, une dame voulait m'amener chez elle. Je lui dis non, je serai libre que ce soir. Oh, ben ça va, qu'elle me murmure. Après dîner, viens donc chez moi, tu t'embêteras pas, je te l'assure, j'ai un pépin sérieux pour toi. Oh, un pépin pour moi, elle est folle, que je me dis tout en la quittant. Franchement, j'aimerais mieux ma parole, une pipe ou bien une paire de gants. Je comprendrais encore qu'elle me donne des bretelles pour mon pantalon, mais un pépin, ça m'étonne, qu'est-ce qu'elle veut que j'en foute, nom de nom. Enfin, pour pas être en reste avec elle, j'achète une ombrelle de 30 sous, et le soir, je l'emporte chez la belle, qui, dès que j'arrive, me saute au cou. Oh, oh, c'est chic d'être venu, qu'est-ce que c'est gris, je m'en vais te faire voir tout ce que j'ai de bien. J'ai dit, ça va, mais je vous en prie, faites-moi d'abord voir le pépin. Va le voir bientôt qu'elle ajoute, et commençant à se dégrafer, elle se déshabille presque toute. Il me dit où est-ce qu'elle a pu le fourrer, non. Vive là qu'elle éteint la lumière. Oh, du coup, je me dis, mon vieux Gaspard, pour qu'elle le cache de cette manière, ça doit rien être un sale riflard. Alors, à tâtons, je cherche la chose. Vous savez, je voyais pas beaucoup. Sur un de ces mollets, ma main se pose. La dame était contente comme tout. Oh, oh, chérie, je vois bien, s'écrit-elle. T'as un pépin pour moi aussi. Mais non, j'ai dit, moi, c'est une ombrelle. Je l'ai mise long de la table des nuits, là. Ici, qu'elle prend, t'en as un petit homme. Dites-moi la pomme pour me le prouver. Je lui dis, quoi, c'est un pépin de pomme. Maintenant, vous voulez me faire chier. Allons, allons, tout ça, c'est des plaisanteries, hein. J'en ai assez, moi, des boniments. Je viens ici pour un parapluie. Si vous n'en avez pas, je fous le camp, moi, ben, bien sûr. Pour...